Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. C'est jeudi, donc vous l'avez deviné, c'est Priorité Santé, la chronique du jour présentée par Mohamedou Oumfa qui revient sur le débat entourant l'origine du virus SARS-CoV-2 qui provoque la maladie COVID-19. D'où vient le virus à l'origine de la pandémie de COVID-19? La question continue de défrayer la chronique au point de créer des tensions diplomatiques. L'OMS a missionné des experts du 14 janvier au 9 février en Chine, pays dans lequel sont apparus les premiers cas de la maladie. Une mission délicate, même le chef de la dite mission a reconnu qu'il leur était difficile d'obtenir une réponse tranchée. Personne ne s'attendrait à ce que cette mission aboutisse à une réponse finale et que nous soyons présentés à la fin de la mission en tenant un animal entre nos mains en disant « voici le coupable ». Cela n'a jamais été l'intention ou l'objectif. C'est un travail en cours et nous devons tous être patients. En tout cas, la mission d'experts a produit un rapport. Ce rapport privilégie la théorie de la transmission naturelle du virus d'un animal réservoir à l'humain par l'intermédiaire d'un autre animal non encore identifié. La transmission directe du virus via l'animal réservoir est toutefois jugée possible à probable par les experts. Ils n'écartent pas l'hypothèse d'une transmission par de la viande surgelée, piste privilégiée par Pékin, jugeant ce scénario possible. Le rapport recommande de poursuivre des études sur la base de ces trois hypothèses, mais balaie en revanche la possibilité d'une transmission à l'humain lors d'un accident de laboratoire. À Washington, les conclusions du rapport sont jugées insatisfaisantes. Nous sommes d'accord et nous l'avons dit depuis longtemps, il manque des données cruciales. Il y a un problème d'accès aux informations, il y a un manque de transparence. Accusé de n'avoir pas facilité le travail des enquêteurs, soupçonné d'être responsable de la pandémie pour avoir laissé échapper le coronavirus dans de ses laboratoires, la Chine s'en défend. La Chine n'acceptera jamais les accusations sans fondement et les calomnies gratuites de la part américaine sur la question de l'épidémie. Taxé d'être trop complaisant envers Pékin, le patron de l'OMS a dit qu'il reste ouvert à toutes les options, y compris une nouvelle enquête sur l'hypothèse qu'une fuite d'un laboratoire chinois et à l'origine de la pandémie. Toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études supplémentaires. Merci. Le débat sur l'origine du virus est donc loin d'être clos. L'Institut de virologie de Wuhan demeure la source la plus probable du virus et l'OMS est complice, a réagi mardi Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État américain. On ne saura peut-être jamais de façon définitive ce qu'il en est, mais ce débat devrait apporter quelques changements sur le travail et la sécurité des laboratoires de virologie, ainsi que sur les méthodes et moyens de surveillance épidémiologique. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.